Yo les bitches, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue avec le moustache. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft tout simplement pour la découverte d'un nouveau pack de textures et tout simplement bah on va le faire ensemble parce que bah pour le moment je l'ai pas spécialement regardé, j'ai juste lancé la carte pour voir à peu près ce que ça donnait et me faire déjà un petit avis. Donc du coup, bah, on va découvrir ça tout simplement ensemble. Alors déjà il faut savoir une chose, c'est que comme d'habitude, là je suis sur la version d'essai. Autre petite chose, si vous voulez acquérir la version définitive, ça sera 95 centimes en euros, hein, et ça vous prendra 6,32 MO bah, de place tout simplement. Donc du coup, ce pack est le pack nature. Alors comme vous voyez, il y a pas mal de choses qui changent. Alors les cochons, ils changent, les vaches, là il y en a une, là il y a un mouton aussi qui change, là il est un petit peu crado, il a un nez un petit peu spécial. Voilà, et je vais vous montrer tout simplement la vache, donc voilà. Alors l'objectif de ce pack tout simplement c'est d'être le plus réaliste possible, de se rapprocher un petit peu de la réalité, donc vous voyez que ça change un petit peu tout. Donc là on est dans un marais, hein, pour ceux qui n'auraient pas reconnu, donc là je trouve que le marais est beaucoup plus joli avec ce pack de texture là, parce que sinon d'habitude je le trouve assez dégueulasse, mais là franchement il y a du mieux. Donc on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans la carte tout simplement pour découvrir autre chose, enfin un autre élément. Donc là nickel, il n'y a pas loin de là il y avait un village de PNJ, voilà. Donc là du coup vous voyez que bah tout simplement déjà les pierres ils changent, je trouve elles sont vachement mieux faites et c'est vachement plus joli. Alors ça, je sais pas ce que c'est par contre, ça doit être du bois, quelque chose dans ce genre-là. D'habitude, ils construisent pas mal leurs baraques en bois, les PNJ. Donc ouais, ça doit être du bois, donc là, le bois est vachement stylé. Et j'avais regardé des portes, et les portes, vous allez voir qu'elles changent aussi pas mal. Donc vous voyez, hop, c'est vachement plus beau. Enfin moi, en tout cas, j'apprécie pas mal, je l'aime bien, c'est sûrement l'un de mes packs préférés. Après les autres, c'est plus de l'originalité, là c'est plus de se rapprocher du côté réaliste un petit peu de la chose. Donc pour le moment, bah c'est plutôt pas mal. Donc bon, après certes, certains vont me dire, ouais mais bon là tu vois par exemple le caillou, on dirait que c'est carrément du marbre qu'ils ont mis carrément dans les grottes. Ça je vous l'accorde, mais bon, après c'est au niveau de la création, je trouve ça plus joli. Bon après au niveau du réalisme sur tout, c'est pas forcément toujours le top, mais ça reste quand même relativement beau. Là, moi, pareil, le sable, je trouve qu'il est beaucoup mieux fait avec cette espèce d'effet un petit peu où on a l'impression qu'on va s'enfoncer dedans. Je trouve ça plutôt stylé. J'aimerais bien trouver une petite jungle. Je ne sais pas s'il y en a sur cette carte-là parce que je viens juste de la créer, en fait, pour vous montrer un petit peu bah, comment c'était, hein, tout simplement, et puis bah, pour que je découvre avec vous. Donc là, les moutons, c'est pareil. Je trouve qu'ils ont une tête assez bizarre et qu'ils sont un petit peu en mode « Ouais, vas-y, voilà, bilaille, j'ai marché dans la bouche, je suis un petit peu dégueulasse. » Mais bon, ça, à la limite, c'est plus joli. Donc là, pareil, hein. Les marais. Donc là, ça, c'est à moitié un truc de jungle, à moitié un truc de marais. Mais les marais, je les trouve vraiment beaucoup plus jolis. Donc on va aller voir direct les cactus, parce que les cactus étaient assez bizarres. Donc là, ils sont beaucoup moins vert fluo, hein. Ils viennent pas de l'espace, hein. Mais là, ils sont plutôt réalistes, on va dire. Mais ils sont assez dégueulasses, du coup. Ça, c'est un petit peu l'inconvénient. Donc là, pareil, des petites pousses. Alors ça, je sais pas ce que c'est, tiens. Je sais pas si on peut le ramasser. Non, on peut pas. D'accord. Donc je sais pas ce que c'est, vous me direz dans les commentaires si vous savez ce que c'est. Alors les cannes. Ouais, les cannes, elles, bon, bah, niveau des couleurs, ils sont comme dans la vie réelle, mais bon, après, bon, c'est sûr que c'est pas aussi joli qu'avant. Donc là, nickel, une petite jungle, comme ça, on va aller voir un petit peu les noix de coco, parce que la dernière fois, ça ressemblait à des grenades, là, ça ressemble tout simplement à des oranges, pardon, ou à des espèces de citrons, enfin, plus des oranges, parce que c'est plus orange. Donc là, bah, c'est plutôt pas mal. Moi, j'apprécie pas mal le pack pour le moment. Alors bon, après, la couleur des arbres, j'aurais préféré que ça soit un petit peu plus foncé, que ça soit un petit peu plus... Ouais, un petit peu plus marron, tout simplement, pour faire plus penser à des arbres, parce que là, c'est plutôt gris pour le moment. Mais bon, hein, on est comme d'habitude des éternels insatisfaits. Donc voilà. Bon, bref, on va tout simplement regarder un petit peu ce qu'on a dans l'inventaire de nouveau et ce qui change. Parce que c'est quand même ça qui nous intéresse un petit peu le plus. Donc là, hop, de la brique en pierre, d'accord, c'est ça qui donne cet aspect-là, d'accord. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui ont envie de créer, franchement, les packs, c'est vraiment de la tuerie, hein, tout simplement, les amis. Alors, les blocs d'or, d'accord, ça change un petit peu. Les... voilà. Là, il y a pas mal de planches pour faire des bons petits planchers, là.
pour faire des bonnes petites structures et tout ça. Ça, c'est plutôt sympa. Planche de chêne, on va voir la différence. Ouais, d'accord. C'est juste la couleur qui change. D'accord, c'est toujours bon à savoir. Alors là-dedans, les têtes, tout ça, il n'y a pas de grand changement. C'est plus dans les plantes, hein. Ah, il y a des arbustes morts maintenant. Ça, j'avais jamais fait gaffe. Donc là, voilà. Ah, pousse d'épicéa. Donc on va voir ce que ça donne. Ah, mince, je dois pouvoir le planter que sur de la terre, ça par contre. Donc on va aller le planter là. Hop. Alors je découvre en même temps que vous. Hein, donc je suis comme un gamin à Noël. Donc ouais, ça c'est plutôt stylé. Ça fait un mini sapin de Noël. Je trouve ça plutôt sympa. Alors hop, on va regarder autre chose. Il y a quoi d'autre? Les pousses de chêne. Hop, on va mettre une pousse de chêne, tiens. D'accord, ouais, ça fait un... ça, ouais, c'est plutôt réaliste, hein. C'est plutôt bah, comme le pack il l'indiquait, quoi, tout simplement. Donc là, la selle est plutôt pas mal. Moi, je l'aime bien, en tout cas. Les wagons sont plutôt jolis. La TNT, super important, les gars, la TNT. Faut toujours en avoir à portée de soi. Donc, ouais, ça fait un petit peu style rétro des années 50 et tout ça. Je trouve ça plutôt pas mal, c'est plutôt joli. Après, il y a quoi d'autre? Bon, les wagons et tout ça, hein, on va pas les découvrir maintenant parce que je vais quand même envie de vous laisser un minimum de surprises. Le bloc musical, tiens, ça donne quoi? D'accord. Ça, c'est pareil, on dirait une cage où on a enfermé une bestiole à l'intérieur. À chaque fois, c'est un petit peu ça. Donc ça, hop, le diamant, vas-y. On va regarder le diamant, ce que ça donne par terre. Mince, comment qu'on fait pour le jeter? Je sais même plus. Je sais même plus les gars. Hop, on va le prendre comme ça. On va faire ça parce que sinon je vais pas trouver. Donc ouais, le diamant, c'est assez bizarre. Bon, ça se rapproche un petit peu d'une grosse perle, j'ai envie de dire. Après, bon, sinon ça change pas réellement grand chose. D'accord, les bols, ça c'est quoi là le truc bleu? Colorant bleu ciel, d'accord. Ah, les lingots. Ah bah là les lingots par contre vous les avez bien fait, ça c'est sûr. Ça fait vraiment lingot. Ça, il n'y a pas de souci. Ça change un petit peu du vieux truc tout pourri qu'on avait avant. Alors les pommes dorées. Alors la pomme dorée, je sais pas pourquoi ils l'ont mis toute rose. Ah bah le poulet les gars. Ça par contre la pluraliste tu meurs. Hein. Ah, l'œil d'araignée, pareil, ils l'ont bien amélioré, ça je sais pas ce que c'est. Chair putréfiée. Hein. Vas-y, on va voir ce que ça donne par terre. D'accord. Ouais, ça fait comme un ragoût de vomi, en fait. Ça, bah pareil, ça, on va se mettre au Moyen-Âge avec tout ça. La cisaille, d'accord. Boule de feu, ouais. Montre. Ouais, c'est plutôt beau, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars et les filles, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est vachement sympa. Je trouve ça plutôt pas mal. Ça donne vraiment bah, un côté vachement réaliste. Donc le lit, super important aussi, le lit dans Minecraft. Hop, on va le tester direct. Alors ça, c'est pareil, c'est un effet un petit peu rétro, je trouve. Mais c'est vachement stylé. Donc du coup, les amis, bah, j'espère en tout cas que ce pack vous aura plu. Vous pouvez bien évidemment, comme d'habitude, le regarder en version d'essai. Le tester, hein, tout simplement. Vous faire un petit avis, et comme je l'ai dit, bah, ça coûte 95 centimes. Donc ça va, c'est pas trop cher. Et moi, je trouve que le rendu est plutôt pas mal du tout. Donc bah, à voir après ce que ça donne. Hein. Bien évidemment, je vous conseille, comme d'habitude, de tester le pack pour vous faire un avis clair, net et précis. Mais quand on voit la qualité des petits arbustes, franchement, c'est plutôt pas mal. Ça donne vachement à réfléchir. Bon, après, je dis pas que les moutons, etc., comme les cochons, sont pas un petit peu dégueulasse, mais bon, ça s'en rapproche. En tout cas, les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si c'est le cas. Et tout simplement, bah, je vous dis à la prochaine. Salut!